Europe 1, le journal du Festival de Cannes. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin. Qu'est-ce que vous avez au sommaire ? Nicole Kidman qui inquiète la croisette dans le nouveau film de Sofia Coppola. Une question, comment travaille le jury ? Eh bien l'un de ses membres, Gabriel Yared, nous a répondu. Et puis les indiscrétions, la fille de Michael Jackson va tourner son premier film. It seems the enemy is not what we believe. La voix de Nicole Kidman dans une ambiance, on l'entend, angoissante. Nicole Kidman, Mathieu, très présente cette année sur la croisette. Eh oui, l'actrice américaine est dans 4 films présentés à Cannes, 2 en compétition, dont celui de Sofia Coppola, Les Proies, présenté hier soir. Vous aviez peut-être vu la version de Clint Eastwood il y a une quarantaine d'années. L'histoire se déroule pendant la guerre de Sécession. Un soldat blessé est recueilli dans un pensionnat de jeunes filles, dirigé justement par Nicole Kidman. Et il va exacerber les tensions, les désirs, les jalousies. Écoutez Sofia Coppola et Nicole Kidman. Je n'ai jamais eu l'intention de faire un remake du film précédent, mais je voulais vraiment réaliser ma propre version. J'ai essayé d'oublier le film de Clint Eastwood pour pouvoir imaginer comment j'allais raconter cette histoire. Sofia est venue me voir, nous sommes allés dîner, elle m'a dit « j'ai un script ». Je lui ai répondu « tu pourrais me proposer de lire l'annuaire, je le ferai ». J'aimerais que les films comme celui-ci ne soient pas oubliés parce que c'est souvent très dur de tenir quand on n'a ni le budget pour la publicité, ni les gros studios pour vous soutenir et porter le film. Voilà, Les Proies, film angoissant, drame gothique, très bien reçu hier ici à Cannes. Peut-être que Sofia Coppola sera dimanche la deuxième femme seulement à recevoir la Palme d'Or. Peut-être, qui sait. Alors, le jury, Mathieu, a déjà vu 14 des 19 films en compétition. Et chose rare, un juré s'est confié à vous. Eh oui, Gabriel Yared, grand compositeur de musique de film, notamment celle du Patient anglais qu'on entend. Dans ce jury, il est aux côtés de Will Smith, d'Agnès Jaoui, de Jessica Chastain, notamment jury présidé par Pedro Almodovar. Et voilà comment travaille Gabriel Yared. Ce qui est intéressant dans le cinéma, il englobe presque tous les autres arts. Il y a la couleur, la peinture, il y a la littérature, les dialogues. Il m'arrive souvent de regarder un film et puis je prends un carnet et j'écris mon ressenti. Et je me rends compte que le film vit en moi dans la journée et que mon avis peut changer. Maintenant, vous pouvez nous le dire, c'est quoi la Palme d'Or ? Je vous le dirai demain. Voilà, j'essaierai de le rappeler demain, mais c'est pas gagné, je crois. Le jury se retrouvera dimanche enfermé dans une villa tenue secrète sans téléphone pour délibérer. Et pour terminer, Mathieu, vos indiscrétions. Roland Emmerich, le réalisateur d'Independence Day ou de Godzilla notamment, va maintenant tourner un film sur la bataille aéronavale de Midway. C'est en 1942, elle opposait les armées américaines et japonaises, budget 80 millions de dollars. Et puis Paris Jackson, fille de Michael, devrait faire ses débuts au cinéma. À 19 ans, elle pourrait jouer Madonna dans un film qui raconte le début de la carrière de la chanteuse dans le New York des années 80. Quand Jackson joue Madonna, donc intéressant. C'est original. Ouais, le journal de Cannes, tous les matins à 8h40. Mathieu, à demain. À demain.